Enfin, nous voilà sur une nouvelle vidéo qu'on va parler de ce fruit qui se nomme Kitsune, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps grâce aux abonnés, grâce à la communauté. Ces temps-ci, on reçoit un peu de cadeaux, ça fait quand même plaisir. Bon, je vais le store, mais sauf que quand je regarde dans mon inventaire, enfin dans mon store, je ne l'ai pas perm. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais pouvoir l'obtenir en perm grâce à un abonné. Il m'a contacté sur Discord et il m'a dit qu'il aimerait me le donner. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo pour pouvoir vous montrer un petit peu les émotions que ça fait lorsqu'on reçoit un fruit perm de cette qualité. Bon, let's go, on va se lancer directement sur Discord afin d'aller lui parler. En plus de ça, il se nomme Hashtags. Allez, let's go Discord. Allô? Oui, d'ailleurs, j'ai une question. Pourquoi tu veux me donner le fruit de Kitsune Perm? Bah, en gros, comment expliquer? J'ai fait une petite erreur. Je voulais m'en acheter un. Oui. Et au lieu d'en acheter un, au lieu de directement me le passer, j'ai à chaque fois fait acheter dans mon store. Du coup, au bout du compte, j'en avais 10 au final. Du coup, bah, j'en ai Kitsune passé. Ouais. Perm. Du coup, j'en ai passé à des potes et bah, du coup, il m'en reste un. Et je me dis, voilà. Mais attends, mais dès que tu me perds, tu te rends compte que c'est 40 000 Robux? Mais c'est énorme! Je sais pas si. Ouais, bah, ouais. Mais franchement, je ne pense pas que tu te rends compte que 40 000 Robux, c'est vraiment énorme. Bon, là, je t'entends quand même dans mon serveur privé. Du coup, j'attends plus que toi pour qu'on commence le trader. Hop Attends, là, d'ailleurs, je oui, rejoins. je. A few moments later. Alors, Bon bah, moi je suis prêt en tout cas. on se rencontre, jeune voyageur. Allez, il est temps d'aller trade. On va faire notre démarche de BG. Mais en tout cas, 10 kitsune, c'est énorme. Bah après, c'est vraiment une erreur de ma part assez conséquente, on va dire. Oh là là, ça fait des attaques de kitsune là, de ce que je vois. En plus de ça, tu l'as en perme. Je comprends pourquoi tu ne peux pas le redeem étant donné qu'il est dans ton inventaire. Et ouais, c'est dommage. Alors, dis-moi, quel fruit je peux mettre? Parce qu'étant donné que c'est un Kitsune Perm, je sais même pas quel fruit ça vaut, parce que ça vaut tous les fruits. Wesh, il y a aussi un light! Wesh, tu sais que le Kitsune est déjà suffisant, pas besoin du light, hein? Non, mais t'inquiète, après, c'est pour te donner de la force, hein. T'as vu, ton compte, il a été ban. Ouais. Voilà, hein. Franchement, merci beaucoup. Moi, ce que je cherche en ce moment, tu vas rigoler, hein. Moi, je veux chop. Attendez une minute, une minute. Attendez, attendez. Quoi? Chop! Ok, je vais aussi te mettre mon meilleur fruit. Et mon meilleur fruit actuellement, c'est Kitsune. Voilà. Comme ça, au moins, tu auras un Kitsune plus Moi, que chop. Kitsune, ça m'intéresse pas forcément, tu vois. Là, en ce moment, comme j'ai pas haché perm, je pense que je vais me prendre haché. Hein. Deux chops. Vas-y. Non, mais Allez, vendu. je te mets tous mes chops. Vendu. Non, je peux plus mettre deux chops. Non, 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 non. Même quand je spam, ça marche pas. Ça ne marche pas, même quand j'essaie de spam. Bon, bah, je peux mettre que deux chops, malheureusement. Désolé, mais c'est tout ce que je peux mettre. Oh my god, merci chef. De rien, ça fait plaisir. Ton Franchement, petit random. quand je vois que je vais l'équiper pour la toute première fois depuis qu'il est sorti, ce fruit de Kitsune Mastery 1. Bon, maintenant que j'ai eu ce fruit de Kitsune et que je l'ai enfin équipé, je peux me permettre de le farm. Mais je sais que ça ne va pas être facile. Avant d'aller farm, je pense que je devrais d'abord aller random, comme ça au moins je vais voir un peu ce que j'aurai. Imaginez si j'ai un fruit de Kitsune, bah je pourrais le store, parce que je peux quand même store 3 fruits. Aïe, j'ai pas vraiment de la chance que ça en fait, c'est un fruit de sand. Je vais quand même essayer de le store, on sait jamais, peut-être que je peux le store, voilà. Ah, oups, je peux pas le store. Bon, let's go, on va aller au deuxième monde pour aller récupérer la Rastiborg qui nous permettra de farm très rapidement. Mais bon, on sait que ça va pas être facile, ça on le sait déjà. Alors, nous voici arrivés au deuxième monde. Je pense que je vais devoir sortir mon fameux fruit de Kitsune parce que aller jusqu'au laboratoire, c'est tellement loin et j'ai la flemme d'aller jusqu'à là-bas. Donc, je crois que la meilleure des choses, ça serait de prendre directement un petit fruit de portal pour me téléporter. Ça sera plus rapide. Alors, il est où? Ah, il est là. Du coup, on va directement se téléporter au lab. Ouais, au labo. Laboratoire. Hot and cold. Donc, ici, on va pouvoir apprendre notre Rastiborg. Ouf, il me reste plus que 177 000 fragments. Au moins, j'ai bien fait de farm les fragments. Et là, vous allez voir un skin dégueulasse parce que la Rastiborg, ça nous met un masque devant nous et c'est dégueulasse. En plus de ça cache un petit peu mon logo derrière en fait. On voit plus le T. Bon, je vais me permettre d'aller customiser un nouveau skin comme ça pourra bien marcher avec ce Rastiborg. 328
AM. Alors, me revoilà, j'ai refait un nouveau skin comme vous pouvez le voir et ça m'a coûté beaucoup de Robux, enfin, surtout ce casque, c'est un Dominus qui a coûté un peu pas mal, j'avoue. Bref, n'hésitez pas à noter sur 10. Bon, ce qu'on a à faire actuellement, c'est d'aller changer nos stats. Comme vous pouvez le voir, on a besoin des stats pour le fruit, parce qu'on doit améliorer le fruit. Donc, on va aller directement à Castel pour pouvoir parler à ce NPC, le Ploxer, qui va nous permettre de changer nos stats. Bon, on a reset avec 2500 fragments. Et là, on va tout mettre maximum sur le fruit et le mêler et la défense. Ouais, c'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'il y a à faire. Bien, à présent qu'on a mis nos stats, qu'on est bien, on va partir dans l'île qu'on va farm. Du coup, ici, c'est l'île, Sea of the Tree. Voilà, c'est parmi les îles de Big Mom. Du coup, ici, normalement, en 2h30, enfin, c'est en 1h30, on peut farm de Mastery 1 à Mastery 600 grâce aux mobs qui se trouvent ici et les mobs qui se trouvent là-bas. Et les mobs qui se trouvent tout là-bas, en fait, avec tous les mobs. Je vais prendre un peu de la hauteur pour vous montrer un peu tous les mobs. Du coup, avec ce petit glitch, voilà. Comme ça, je pourrais un peu vous montrer tous les mobs qu'on va faire. Du coup, on va commencer par les mobs qui se trouvent un peu vers ici, voilà. Puis, on partira sur les mobs qui se trouvent vers la gauche, qui se trouvent un peu vers ici. Et puis là-bas. Et après, pour finir, ce sera ici. Bref, du coup, on va commencer directement par les mobs qui sont ici. Mais il faut pas oublier quelque chose de très important, c'est de prendre les quêtes. Parce que c'est grâce aux quêtes, quand même, qu'on va avoir de l'argent, voilà. Du coup, avant, j'avais un peu beaucoup d'argent, maintenant, j'en ai plus. Du coup, on va prendre directement les premières quêtes. Ça, c'est parfait. Donc, maintenant que c'est fait, on va directement faire les mobs afin d'activer notre V4, parce que c'est ce qu'il y a à faire. Donc, une fois notre V4 activé, le but, ça va être de pouvoir refaire une sorte de cercle, voilà. Donc, on va faire les mobs sans que notre V4 finit. Du coup, ça va être un peu une sorte de V4 infini. Bon. Wouah! Rien qu'avec ces mobs-là, j'ai reçu quand même 99 mastery, c'est un truc de fou. Bon, j'espère juste qu'avec ces mobs-là aussi, ça va un peu augmenter. Donc, on va juste spam, juste pour essayer d'activer la V4. C'est ce qui va nous sauver. D'ailleurs, je pense que j'aurais même pas dû en fait mettre des stats sur le fruit parce que j'aurais pu directement utiliser la sorte pour activer la V4. En fait, j'ai gaspé 2500 frags pour rien. Oh, des stats. Oula, j'ai reçu encore des mastery. Voilà, je suis arrivé à 128 mastery. J'avoue, c'est pas mal, ça va vite. Je pensais pas que ça allait aller très vite que ça. Mais bon, on a besoin que de spam. Ouais. Bon, on doit quand même spam. Ça va prendre un peu plus de temps que prévu, du coup, pour activer cette V4. Mais je pense que j'ai même pas en plus de ça ma V4 au complet. Voilà, cette V4 cyborg. Mais il faudra que je la regarde tout à l'heure. Mais pas dans cette vidéo, en tout cas. Bon, bientôt j'aurai quand même ma V4. Oh! Voilà que ça devient tout violet. Enfin, je pourrais dire un peu c'est rose en fait. C'est un peu rose. Bon, on va laisser ces mobs. On va activer notre V4 afin de pouvoir exploiter tout ça. Waouh, maintenant on aura un peu plus de puissance. Wesh, wesh, wesh. Mais ils vont me tuer, wesh. Oh, maintenant ça va un peu vite plus. Enfin, ça va un peu vite. Voilà, on va frapper que quelques mobs. Comme ça, en fait, ça partage les dégâts entre eux-mêmes. Donc, du coup, c'est un peu comme si ils partageaient tous les dégâts entre eux. C'est pour ça qu'il faut bien prendre cette race cyborg. Ça permet quand même de farm très rapidement. Donc là, je vais essayer de farm le fruit jusqu'à 2600. C'est dommage que j'ai pas pu faire un live pour ça. Mais bon, là, on arrive à level 180. Waouh, 193 directement. Waouh, ça va vraiment trop vite en fait. 196 mastery. Waouh, ça va très vite que prévu. Si c'était un live, ça aurait été très lent. Bon, on arrive à mastery 200, 290. J'avoue, ça va plus vite que prévu. Même si j'ai fait que des quêtes en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais je me dis que les gens qui vont regarder cette vidéo, ils vont dire oh, wow, ça va trop vite en fait. Non, ça va pas vite du tout. C'est juste grâce aux quêtes et au montage, on a l'impression que ça va vite. Mastery 301. Waouh, là ça va vite. Bon, il faut savoir quand même que les 300 premières mastery, ils sont rapides. Mais maintenant qu'on vient d'avoir encore notre transformation, ça va être encore plus rapide. En vrai de vrai, quand vous farmez le fruit Kitsune, je ne vous conseille pas vraiment d'activer en fait la transformation parce que j'ai l'impression un petit peu que ça envoie les mobs un peu trop loin. Mais bon, là je l'utilise parce que juste pour la profiter. Mais tout à l'heure, je pense que je vais la désactiver parce que franchement, j'en aurais pas besoin. Ouais, je vais juste profiter de spam dans tous les côtés, dans tous les sens, juste pour pouvoir utiliser toutes les attaques. En plus, grâce à la transformation, au moins je peux être un peu plus rapide. En vrai de vrai, ça va plus vite que prévu. Ouais, mastery 401, let's go. Mastery 492, waouh, ma quête elle est finie, je pense que je devrais prendre une autre. Ouais, du coup là on va prendre quand même la première et on continue notre chemin. Enfin, il y a une autre bombe qui est restée là, dis ça, je l'avais pas vu. Bon, allez, let's go, on continue quand même notre chemin, même si y a pas des mobs en fait de l'autre côté. Ouais, celui-là, il est quand même c'était quand même galère de venir jusqu'ici pour récupérer des mobs. En plus, je reçois en plus de ça des conjurés de cocoa.
Avant, je les appelais des cacao. Maintenant, c'est des cocoa. Bientôt, Mastery 500, Mastery 499, et hop, on skip. Allez, hop, 599, et let's go. Bon, plus qu'un mob. Alors, il est où le dernier mob? Ah, mais il est là. Non, c'est pas le dernier. Ah, c'est celui-là le dernier. Let's go. Bon, il va falloir juste que le spam. Je spam. Let's go. Ah oui, mais il est mort et j'ai même pas reçu Mastery 600. Bon, il me faut un dernier mob. Ils sont où les mobs? Ah, il est là. Bon, on a besoin que de toi. Voilà, vite fait. On te spam vite fait. Dès que je te tue, là, c'est bon pour moi. Ok, Mastery 600. Bon, ça m'a pris quand même 1 heure et 30 minutes. En vrai de vrai, je pense que ça m'a pris beaucoup plus que 1 heure et 30 minutes. Attendez, je vais aller regarder le timer que j'ai mis juste à côté. Parce que j'avais quand même mis un timer pour regarder. Du coup, c'est 1 heure et 36 minutes. Ouais. Du coup, c'est 1 heure et 36 minutes. J'avoue, c'est pas loin des 1h30 en fait. Je pense que c'est une question de timing. Mais bon, maintenant qu'on a eu le fruit de Kitsune Master 600, comme vous pouvez le voir, c'est très bien de se balader comme ça. J'adore cette démarche, c'est incroyable. Franchement, cette animation, elle me tue. On a l'impression que je suis tellement content. Bref, sur ce, maintenant, on se rapproche pas à la fin de cette vidéo, mais au milieu de cette vidéo. Du coup, si vous avez kiffé, n'hésitez quand même pas à lâcher un petit like et aussi à vous abonner. Mais bon, maintenant, on va faire un petit showcase quand même, maintenant qu'on veut quand même de le farm et d'avoir tous les attaques. Faut bien qu'on fasse un petit showcase hein, quand même. Mais avant ça, on va d'abord aller random. Oui, étant donné que je suis depuis longtemps dans le serveur, autant aller random. Du coup, maintenant, qu'est-ce que je peux bien avoir? Oh mon dieu. Oh, c'était pas mal du tout. Un petit fruit de portal, j'avoue. C'était encore mieux que ce que j'avais eu tout à l'heure. Bon, on va quand même le mettre dans notre store. Enfin, dans notre inventaire. Je pense que c'est le premier que j'ai, en fait. J'ai jamais eu quand même un portal depuis le temps. Ouais, c'est le seul que j'ai eu. J'avais jamais eu un portal avant. Enfin, j'avais déjà eu, mais voilà. À présent, on va partir au deuxième monde pour aller tester les attaques. Voilà, parce que j'ai un pote à moi qui m'attend là-bas. Donc, let's go. Voilà, on se retrouve ici. La première attaque, elle est un peu comme ça. J'avoue, c'est la première fois que je teste les attaques en vrai de vrai. Donc, du coup, c'est un petit peu comme si je les découvre en même temps que vous. Donc la première attaque, elle fait pas mal de dégâts, ça colle quelqu'un et ça le lâche pas et ça lui fait 2317 dégâts. Voilà, c'est la première attaque. On va passer sur la deuxième attaque. Ouh, je l'ai raté. Bon, je vais quand même refaire la première attaque. Voilà. En vrai de vrai, la première attaque, elle est pas mal du tout en fait. Je la kiffe trop. Bon, la deuxième attaque. Oh, elle est géniale en fait. Mais elle est géniale. Si on la refait, elle fait... En fait, c'est un petit Z de Zoro, en fait. Ça fait un petit Z de Zoro. Bon, la troisième attaque, elle est quand même chaud. Waouh, je m'y attendais pas du tout, elle est trop rapide. Waouh. Mais elle fait énormément trop de dégâts. Ou je pense que c'est peut-être parce que j'ai beaucoup plus de boost que lui. Enfin, grâce au bounty. Bon, la troisième attaque, plutôt, c'est la F. C'est une sorte de dash, mais... Elle fait des effets, elle fait des effets. Elle fait des effets. Bon, on passe à la transformation à présent. La transformation, rien que la transformation, elle est tellement OP. Je pense que ça fait des dégâts si la personne est à côté. Mais en plus, quand on fait les attaques, avec la transformation, elles sont incroyables. Donc, la deuxième attaque, elle est quand même plus OP que la première attaque. Franchement. Attendez, il va falloir que je la refasse. Waouh, je kiffe trop. En plus, il y a quand même le truc de Kitsune au milieu de lui. Oh, la troisième attaque, waouh, mais... Waouh, c'est une orbe tourbillon. Hein. Quand on la maintient, elle est trop OP. En plus, elle fait extrêmement trop de dégâts. 4077. Et maintenant qu'on a testé toutes les attaques, il faut bien qu'on aille quand même se battre contre des gens. Donc du coup, il va falloir qu'on aille faire quelques PVP. On va aller en salon public et on va tuer tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge. Mais en marine, bien sûr. Let's go, c'est parti. En voilà une première. On commencera directement par ce Goodizer. Waouh, en plus ça, il a esquivé mes deux premières attaques. Wesh, il a esquivé aussi celle-là. Wesh, mais il esquive toutes les attaques. Bon, pas celle-là. Celle-là, elle est inesquivable. C'est pour ça que j'aime bien Kitsune en fait. Cette attaque-là, elle est inesquivable, l'attaque C. Bon, par contre, si tu la rates, ça veut dire que t'es super méga nul. J'espère juste que je vais pas le rater, parce que ça signifiera que je suis parmi des plus de que lui. Bon, c'est quand même cool qu'on peut spam quand même les petits coups. Voilà, c'est quand même assez agréable. Je dirais même que c'est amusant de les spam comme ça. Wesh, mais il esquive tout, wesh. Waouh, bon, plus qu'une seule attaque, il va mourir. Bon, on va pas le tuer avec les attaques, on va le tuer avec le fruit, ça vaut le coup. Vas-y, on frappe un peu. Vas-y, le fruit. Ah ouais, quelques clics. Waouh, c'est génial. Bon, wesh, j'ai eu deux. What? J'ai eu deux bounty. Bon, j'ai pas de combo, mais je vais spam les attaques comme je peux. Pour l'instant, j'attaque juste... voilà, on y va directement au talent, voilà. C'est pour ça qu'on attaque comme ça. On y va au talent. Oh, je l'ai pioché. Let's go. Allez, un petit combo. J'ai pas de combo, malheureusement. Bon, pour l'instant, j'ai pas de combo. C'est la première fois que je l'utilise. Et moi, je spam et j'y vais directement au talent. Voilà. Donc, on apprendra directement d'Alta. J'aurais dû apprendre un petit combo d'abord avant de venir PVP les gens, moi. Je rentre dans les serveurs et je PVP direct.
Vas-y, next serveur. Oh, mais toi, tu es en train de run. Wesh, mais tu run. Vas-y, viens, viens, viens. Vas-y, viens. Juste un petit coucou. Viens, 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 viens. Non, mais tu vas pas run loin, toi. Bon, je vais te spam avec mes clics. J'aime bien les clics. Non, il a spam sur le guitare. Ah, ben je l'ai tué. Ah, ben let's go. Miam, 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 miam. 16 000. C'est pas mal du tout. Je pense que ça a fait très mal par contre. Ça fait vraiment très mal. Bref, on continue quand même à. Oups, mais ils sont en train de PVP. Bon, désolé, mais. Je vous rejoins. Voilà, j'aime bien. Mais faut pas run, faut pas run. Non, mais il faut pas run. Reviens, reviens, petit, reviens. Non, mais il run, reviens. Non, il run. Non, 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 non. Il a run. Wesh, je vais quand même aller le chercher. Bon, c'est pas grave. Oh, mais tu vas où toi? Vas-y, viens. Let's go. Nice. C'est parfait, on continue. Bon, toi là, il faut que tu viennes de ce côté. Non, j'aime pas les Ace User, c'est vraiment trop toxique. J'oublie carrément que moi je suis plus toxique que lui. Bon, on va quand même faire cette attaque là, je l'ai mis. Hein. Bon, on va quand même bien viser. Oh non, l'arbre, il a tout gâché. Je voulais lâcher l'attaque. Bon, c'est pas grave. Allez, hop. Allez, hop. Quelques petits clics. Clic et clac et clic et clac. Et là, c'est bon. Vas-y, let's go. Next. Allez, toi, tu vas pas rentrer très loin. Bon, j'aime bien cette attaque C là. Voilà, parfait. Je l'aime bien, je l'aime bien. Je commence à avoir un petit combo. Bon, c'est pas un truc de fou. Pourquoi tout le monde spam toujours cette soul guitare? Ça commence vraiment à m'énerver. Wesh, allez toi bien. Non, mais il a fait 4, wesh. Mais vous avez pas honte? Bon, je vais quand même pas V4 parce que j'ai juste envie de te tuer sans ma V4. Par contre, si je meurs, j'aurai trop la haine et trop la rage. Mais bon, on garde quand même notre honneur et notre grand ego. Et on va quand même juste lui faire des attaques en faisant très attention parce que s'il me fait une attaque, je die. Bon, j'ai quand même 4000 HP, mais c'est quand même pas très énorme. Et étant donné qu'il a la race cyborg, s'il frappe les mobs, je prends des coups. Du coup, c'est pas très 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 bon pour moi. Va falloir que je fasse des attaques et que je fasse très attention. Bon, on va quand même lâcher celle-là. Allez, hop, hop, un petit combo vite fait. Vas-y, on va y arriver, on va y arriver. Bon, on peut V4, on V4 pas. On fait juste des petits clics. Vas-y, let's go, nice. Thank you very much for your bounty. Oh, c'est quoi ce style? Wesh, ce bug il est stylé. Mais c'est un truc de fou. Waouh, j'adore, j'adore. Vas-y, next. Ok, alors, on est en mode V4, mais ce n'est pas grave. C'est parce qu'il a aussi V4. En plus, il run. Tu vas où? Tu vas où? À la boulangerie? Viens ici. Vas-y, viens, on va juste spam vite fait. Non, mais arrête de run. Non, 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 non. Ah, il est mort avant qu'il sorte. Il a trop la haine. Il va me tuer. Bon, on a arrêté de tuer les gens. Maintenant, on a changé carrément notre race. Par contre, il y a quelqu'un qui est derrière là-bas, en fait, qui me guette un petit peu. Je pense qu'il attend que ma V4 finisse pour m'attaquer. Mais bon, je vais quand même finir mon intro et on verra s'il vient m'attaquer ou pas. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Comme vous savez, voilà, c'est la chanson de base. Bon, je pense qu'il va venir, peut-être ou pas. En plus, il a le fruit de Ice. Non, il arrive. Oh non, c'est trop tard. Il m'a attaqué. Oh mon dieu. Bon, j'espère juste que je vais pas die parce que si je die, ça serait vraiment la D. Oh non, oh non, oh non. Bon, il a pas réussi à me frapper. Bon, je vais frapper. Allez, hop, hop. Bon, je vais essayer quand même de le tuer d'abord parce que sinon, il pourra pas me laisser faire ma vidéo, voilà. Bon, on va quand même attaquer comme ça. Bon, c'est dommage quand même que je vais devoir le kill avec mon fruit. En plus, maintenant, j'ai un petit combo, voilà. Il ne sait vraiment pas qu'il s'est attaqué à la mauvaise personne. Et voilà, maintenant il est die. Il pourra jamais dire que c'est moi qui la sneak. Parce que c'était plutôt le contraire en fait. Bon, maintenant qu'il m'a aidé au moins à avoir ma V4, on va profiter pour l'activer. À présent, j'ai un flow de malade. C'est carrément incroyable de réavoir sa V4. En 2 secondes, 3 mouvements. Bref, du coup, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et aussi à vous abonner à Mitsuri parce qu'on a quand même envie qu'elle puisse atteindre les 1000 abonnés. Enfin, les 1000 followers sur Twitch. Pour l'instant, j'ai juste farm le fruit de Kitsune. Mais étant donné qu'il m'avait aussi donné un fruit de Light, bah, on le fera dans une next vidéo qui arrivera prochainement. Donc, on profitera aussi de pouvoir PVP avec, voilà, comme ce fruit de Kitsune. Bon, sur ce, je vous dis ciao, on se retrouve dans la next vidéo. Enfin, next vidéo. Moi je dirais plutôt la prochaine vidéo, mais pas next. Enfin bref, ciao.